Et bonjour YouTube, c'est la Laura du montage qui vous parle. Parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié un truc vraiment essentiel. C'est de vous dire ce que j'allais faire, de vous faire un petit face cam pour vous expliquer où est-ce que je partais et tout. Parce que me filmer en train de fermer ma valise, filmer Grisou, filmer le train, ça y a pas de problème. Par contre, vous expliquer ce que je fais, je sais pas. J'ai oublié. Je suis partie rejoindre Amélie de la marque Maëly Paris pour une semaine d'atelier couture. En fait, ça fait c'est la troisième année que Amélie organise ce qu'elle appelle le Feel Good Trip. Et en fait, c'est juste un concept génial. C'est une semaine d'atelier couture itinérant fait pour partager. Passer des moments ensemble. C'est des ateliers intergénérationnels. Donc l'idée, c'est de partager les idées, d'apprendre aux débutants, de transmettre, d'échanger autour de la couture, de ce que ça peut faire dans nos vies, que ça peut nous détendre. Ça peut être une thérapie, ça peut voilà, être une forme de ressource, de développement personnel. Enfin voilà, c'est juste une semaine d'atelier, d'échange autour de la couture qui est une activité merveilleuse. Et voilà, et c'est la troisième année qu'elle organise ça. Donc c'est dans la région de la Loire à chaque fois, parce que c'est de là-bas qu'est Amélie. Et voilà, j'ai eu trop de chance cette année d'être invitée à participer au Feel Good Trip. J'étais trop contente. Ça fait 2 années que je suis leur parcours sur Instagram. Et donc, plusieurs fois, je lui ai dit, c'est génial, j'aimerais trop participer. Et puis, voilà, elle m'a proposé. Donc, j'étais trop contente. Donc voilà, je suis partie pour une petite semaine. Moi, je suis pas restée jusqu'à la fin, j'ai pas fait le dernier jour. Mais voilà, du coup, l'idée, c'était de vous filmer en fait toute la semaine pour vous montrer les ateliers, comment ça se passe. Pour vous montrer aussi le travail incroyable que Amélie fait et a fait. Elle a construit ça toute seule, je trouve ça fou. Enfin, genre, c'est. Elle a démarché plein d'organismes, des écoles, des maisons de retraite, des lieux d'autonomie. Enfin, c'est fou tout ce qu'elle fait pour partager, pour transmettre. Voilà. C'est quelqu'un de vraiment passionné et d'humainement. C'est une belle personne. Enfin, vraiment juste. Voilà. Je vous fais pas le résumé de la semaine puisque c'est le début de la vidéo, mais je tiens tout de suite à le dire que c'est vraiment une belle personne et. Je suis vraiment très heureuse d'avoir passé du temps avec elle cette semaine. Donc voilà, sur ce, je vous laisse maintenant que je vous ai expliqué tout ça. Et puis, on va très vite démarrer puisque les premiers ateliers sont pour le lendemain de mon arrivée, dès le matin. Donc c'est parti! Alors aujourd'hui, c'est le premier jour du Feel Good Trip. On est dans une école à Chalonne-sur-Loire, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de faire des vidéos tous les jours de ce qu'on va faire. Hier, je suis arrivée à Angers vers 15h. Et en fait, on a tout de suite enchaîné avec Amélie. On a fait des photos de ce qu'on avait réalisé. On a préparé les réels pour la semaine. Voilà, on a travaillé tout de suite. Et ensuite, on est allé manger dehors et on a très vite dormi parce que ce matin, on s'est levé à 6h30 et ça piquait un tout petit peu. Donc aujourd'hui, c'est une grosse journée. On est dans une école et on va faire des ateliers avec des enfants et des personnes qui sont hébergées dans une résidence autonomie. Du coup, on va faire des petits groupes personnes âgées avec des enfants et ils vont coudre des petits étuis à brosse à dents. Je vais vous montrer. Donc là, on a tout installé. C'est gigantesque. Il va y avoir genre 30 machines à coudre. Je vais enlever les enfants pour qu'ils n'apparaissent pas. On a genre 30 machines à coudre. Il y a une trentaine de bénévoles. Nous, je crois qu'il y a donc il y a 4 créneaux. On fait des ateliers d'1h30. À chaque fois, il y a entre 40 et 50 enfants avec une dizaine, entre 10 et 15 personnes de la résidence autonomie. Donc 60 personnes par atelier sur certains créneaux. Ça va être gigantesque.
Mais c'est trop cool. Les gens du village sont venus aider les parents d'élèves. Tout le monde a ramené sa machine à coudre. Enfin, c'est incroyable. Je vais vous montrer avant que ça commence, avant de vous montrer les têtes des enfants, parce que c'est pas ok de les mettre sur internet, en tout cas la majorité. Mais c'est trop mignon. Je suis trop contente. J'ai déjà trop hâte. Alors, vous voyez, on a des grandes tables comme ça, avec plein de machines. Ça, c'est toutes les machines de Maëly. On est sponsor par Brother, clairement. Alors, pas une vraie sponsor, hein, c'est juste Maëly qui achète que des Brother. Donc, trop bien équipé sur tout le long. On a le petit espace à repasser avec Jeannette pour repasser. Et voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui, un petit étui pour brosse à dents, avec un petit lien et un bouton pour fermer. Et si les enfants préfèrent, on peut aussi faire des petits porte-clés avec des chutes de tissu. Il y a un choix de tissu gigantesque. Il y a des trucs beaucoup trop mignons. Ça va être trop beau. Trop chou. Oh, c'est adorable ça. J'ai vraiment passé une journée incroyable. On a enchaîné 4 ateliers de 1h30 à chaque fois. Tout le monde est reparti avec une création, que ce soit les enfants ou les personnes âgées. Et on a passé toute la journée à rigoler, à discuter, à partager autour de la couture et de nos vies personnelles. On s'est tous entraidés et on a essayé d'apprendre tous ensemble. Tout le monde était vraiment adorable et a pris du plaisir à créer de ses propres mains. Et franchement, voir le sourire sur le visage des gens, c'est vraiment ce genre de moments qui me font réaliser que je suis au bon endroit et complètement alignée dans ce que je fais dans ma vie. Alors vraiment, merci à Amélie de m'avoir invitée à partager ces moments cette semaine. Et complètement HS, mais une enfant avait ramené son doudou parce qu'elle avait un trou dans la tête. Donc Mini, j'espère que tu en auras encore une longue vie maintenant que tu es réparée. Et la cerise sur le gâteau de la journée, c'est que France 3 est venue couvrir l'événement puisque le travail d'Amélie mérite clairement d'être médiatisé. La fin de journée est vite arrivée, on a tout doucement tout rangé et puis on a surtout repris la route vers Nantes puisque l'atelier du lendemain aura lieu là-bas. Et sur la route, Amélie et Nico se sont arrêtés pour récupérer cette merveille, une ancienne machine à coudre Singer pour leur bureau à Bordeaux, qui ont d'ailleurs ouvert cette semaine et qui ont l'air canon, j'ai trop hâte d'aller les voir. Nouvelle journée qui débute à Nantes. Donc cet après-midi, on a un atelier couture qui est prévu, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Mais le matin, on s'était lancé un petit challenge avec Amélie. On s'était dit qu'on allait revaloriser toutes les deux une chemise qui était abîmée. Sauf qu'on s'est lancé dans des projets peut-être un petit peu trop ambitieux et on a surtout sous-évalué le temps qu'il nous fallait pour réaliser nos projets respectifs. Donc on a clairement beaucoup avancé chacune de notre côté, mais on n'a pas du tout fini le projet et le reste de la semaine ne nous a pas permis de les terminer. Donc je pense qu'on les terminera chacune chez nous et qu'on vous les présentera sur Instagram peut-être dans les semaines à venir. Après avoir mis de côté le projet upcycling non terminé, on a enchaîné. On est allé dans une guinguette donc à Nantes pour installer et animer un atelier étui à lunettes. Franchement, c'était encore un moment trop trop cool et j'ai enfin rencontré des gens avec qui je parlais sur Insta depuis longtemps, des mois, voire des années je pense. C'était vraiment trop bien. Donc tout le monde a choisi des jolis petits tissus vintage, a fait des petites personnalisations avec les points broderie. J'ai pas trop filmé, en fait j'étais tellement dans le moment que j'ai complètement oublié de filmer. J'ai juste filmé quelques réalisations et j'avais pris quelques photos pour vous montrer un peu le lieu sur Insta. C'était vraiment trop mignon sous une tonnelle dans la guinguette. Et j'ai aussi pris des photos de toutes les réalisations, vraiment. Merci à tout le monde, merci les filles d'être venues. Merci à Amélie encore une fois de m'avoir invitée. Franchement, j'ai encore passé un trop bon moment. C'était vraiment trop cool. Ensuite, on a rangé, on a tout remballé, on a mangé quelques crêpes sous la pluie. Et puis, on s'est vite remis en route vers Angers puisque l'atelier du lendemain était prévu à Angers. Thank you.
Alors, j'avais dit que je ferais des vidéos tous les jours. Et forcément, hier, je n'en ai pas fait. Alors que c'était la journée avec le moins d'ateliers, mais en fait, avec le plus de travail. En gros, bah, vous avez vu, lundi, on était dans une école avec 8 classes d'enfants et des personnes d'un EHPAD et d'une résidence autonomie. C'était incroyable. Il y a eu France 3 qui est venue faire des petites interviews, un petit reportage et tout. Donc, Amélie a été interviewée, c'était trop cool. Et hier on était mercredi, on était à Nantes et en fait on avait un atelier le soir de 17h à 20h et en fait toute la journée on a cousu, on s'est lancé un défi avec Amélie qui est de revaloriser une chemise, donc chacune. Donc on a avancé sur ça toute la journée, on a monté nos réels, on a travaillé sur le reste, préparé les ateliers, etc. Et donc le soir on a fait un atelier étui à lunettes avec plein de filles. Les filles étaient 18 et moi j'étais avec Amélie, Nico et Sarah de Atelier Minsa, donc c'était trop cool d'être quatre. Et de rencontrer Sarah. On se parle tous sur Instagram, mais c'est vrai que ça fait vraiment du bien de se voir en vrai. Et sinon, voilà pour le programme d'hier. Normalement, je vous ai filmé des petites vidéos et tout, donc c'est juste que j'ai pas fait de face cam pour expliquer. Et aujourd'hui, grosse journée aussi, on est de retour à Angers et on est dans un camping qui s'appelle le village de C. C'est un slow village. Et on fait des ateliers toute la journée. Donc là, on a un premier atelier de 10h à midi pour faire un gilet sans manches, le gilet Jeanne de Maëlys. Ensuite, de 14h à 16h, on a, je crois, l'étui à lunettes. Et de 16h30 à 18h, une pochette patchwork, ou l'inverse, je ne sais plus pour l'après-midi. Mais en tout cas, voilà, c'est ultra speed, mais c'est incroyable. Petit bilan au milieu de la semaine. Je suis ultra heureuse d'être venue. J'avais un peu peur niveau fatigue parce que je viens avec une dette de sommeil un peu lourde des derniers mois. Je suis un peu en bout de piste surtout. Mais tous les jours, je me dis que c'est juste incroyable de partager tout ça avec des gens. Je sais pas, de voir les gens heureux, de voir les gens qui découvrent la couture ou qui redécouvrent. À l'école mardi, il y a évidemment des enfants qui ont découvert, mais il y avait plein d'enfants qui avaient déjà cousu. Les personnes âgées, c'était pareil. Il y avait des maîtresses aussi, des parents d'élèves. Et plusieurs personnes nous ont dit, bah, ça m'a redonné envie de coudre, ça m'a remotivée. Enfin, donc, ça fait chaud au cœur. Et puis, surtout, tout le monde a passé un bon moment les 2 derniers jours. Tout le monde est reparti avec le sourire, tout le monde a échangé, tout le monde papote. Voilà, des affinités qui se créent et tout, et c'est. Bah voilà, c'est le but du feel good trip. Donc c'est trop cool, entre autres évidemment, puisque l'idée c'est de partager surtout autour de la couture et de l'upcycling, de la revalorisation des tissus et tout. Mais on est tous. Voilà, on partage tous les mêmes valeurs et on est juste heureux et heureuses de se retrouver tous ensemble. Ça fait trop du bien. Ça donne envie de faire ça toute l'année, dans toutes les villes de France et ailleurs. Et voilà, comme quoi le partage et l'humain, c'est vraiment ce qui recharge les batteries, quoi. Donc voilà, encore une grosse journée. On va être bien KO ce soir, mais reboosté d'énergie, plein d'énergie humaine, plein de bonnes ondes. Et voilà. Et du coup, bah là, on va aller installer pour les ateliers de la journée. Et ensuite, ça va débuter. Donc, c'est parti. Donc, vous voyez, c'est adorable. Genre, c'est petit resto, il y a du sable partout, du bois. C'est magnifique. Et on a un temps de rêve comparé à hier à Nantes. Hier, c'était catastrophique. Il faisait 15 degrés. Il pleuvait, il faisait gris. On avait trop froid. Et là, on est tous en short, en robe, donc ça fait plaisir. Je vais vous montrer un petit peu le stand de tissus. Et voilà, que des tissus évidemment revalorisés, des tissus vintage. Donc vous voyez là un ancien rideau ou une ancienne nappe. Je ne sais pas. Un peu de ouate pour rembourrer les gilets. Regardez-moi ces pépites. Des petites fleurs. Voilà.
Et ici, ça avance très bien. Je prends vos mains. Laura du montage, je reviens pour vous faire une vidéo encore pour vous parler parce qu'en fait j'ai terminé le vlog sur les ateliers du jeudi et j'ai pas filmé le dernier atelier parce qu'en fait le matin on avait un atelier gilet sans manches, ensuite on a fait un atelier étui à lunettes et ensuite on a fait un atelier pochette patchwork. Et là, mais en fait, les fois où je filme pas, c'est vraiment... Tous les moments ont été incroyables, tous les ateliers ont été incroyables. Mais il y a des fois où j'ai parlé avec plus de personnes, donc j'ai pas du tout pu filmer. Et c'était le cas du dernier atelier de la journée de jeudi. Et ensuite, quand on a terminé l'atelier, on est tous restés, on a bu un verre, on a papoté. Enfin, c'était vraiment trop bien. C'était trop bien, c'était vraiment un moment hors du temps. Enfin, c'était... De toute façon, vraiment, cette semaine entière était hors du temps. C'était vraiment trop, trop, trop chouette. C'est vraiment tombé à un très bon moment pour moi. Parce que le début de l'année a été... en fait, entre janvier et juin, ça a été vraiment très intense en termes de charge de travail et de charge émotionnelle. En janvier, voilà, c'était le tout début de ma vie entrepreneuriale à 100%, puisque j'ai quitté mon travail de juriste en décembre. J'ai arrêté fin décembre. Début décembre, plutôt, avec les congés, je dis des bêtises. Mais après, du coup, j'étais en congé en décembre. J'ai eu le Covid pendant quasiment 10 jours. Enfin bref, le mois de décembre, je le compte presque pas. Et voilà, du coup, en janvier, c'était beaucoup de questionnements parce que c'était une étape de franchise. C'était vraiment, je suis à 100% à mon compte. C'est moi qui gère mon travail, mon activité, ce que je fais, comment est-ce que je gagne mon argent. Et c'est quand même intense, même si, j'ai ouvert mon auto-entreprise depuis déjà 4 ans. Mais avant, j'avais toujours mon emploi à côté, donc c'était pas les mêmes préoccupations. Et puis voilà, savoir quelle direction je prenais. Est-ce que je restais sur uniquement de l'influence, juste rester sur les réseaux sociaux. Et ça, je me suis rendu compte que c'était vite... je me suis vite rendu compte que c'était pas vraiment pour moi. En tout cas, pas que ça. Et en fait, les choses, elles se sont faites tellement naturellement. C'est juste incroyable parce que c'est un peu comme j'ai compris... que je voulais un peu sortir de toute cette des réseaux sociaux. Enfin, j'avais pas envie de rester uniquement là-dedans. Le local que j'ai trouvé pour faire les ateliers s'est libéré. En tout cas, j'ai vu qu'il était libre. Je l'ai ouvert et alors c'était trop bien et vraiment ça a suivi. Enfin, ça s'est fait tellement naturellement. Moi, je sais pas trop si je crois au destin et tout. En tout cas, pour l'instant, je trouve que la vie, elle m'apporte vraiment
bah, ce qu'il me faut, je sais pas comment dire autrement. J'étais tombée par hasard sur ce local, bah, pile au moment où je me disais que j'avais envie de sortir des réseaux, de rencontrer des gens, d'animer des ateliers, de donner un peu plus de cours. Donc c'est juste tombé au bon moment. Reste que bah, c'était pas du tout prévu. Donc j'avais énormément de travail et je me suis rajouté cette ouverture en plus. Donc du coup, il a fallu tout repeindre, il a fallu aménager, acheter des meubles, faire du stock, en parler sur les réseaux pour que bah, ça se sache, programmer les ateliers, animer les ateliers, recevoir les gens, avoir assez de tissus pour que les gens aient du choix lors des ateliers. Enfin voilà, c'est pas la fin du monde, vraiment, c'est pas le pire boulot du monde, pas du tout. Mais bon, voilà, c'était un petit peu fatigant. Et du coup, tout ça pour dire que fin juin, j'étais un peu épuisée. Ben voilà, c'était un peu un tourbillon le mois de mai et juin. Et je savais pas trop où j'allais, entre guillemets. Enfin, j'avais pas eu le temps de réfléchir. Et le fait de partir avec Maëlie, bah, ça m'a fait du bien. Ça m'a. Voilà, c'était un peu dense, mais voilà, ça m'a juste conforté encore une fois dans le fait que bah, de passer du temps avec des gens, de transmettre, d'apprendre aux gens, d'échanger, juste de passer des moments avec les gens, bah, c'est incroyable, surtout dans ce contexte-là. La première journée, elle était vraiment dingue, enfin, de faire ça avec des enfants, avec des personnes âgées. Je sais pas comment dire, mais voilà, voir les gens qui repartent avec le sourire et voir que tout le monde a passé un moment super chouette ensemble et on s'est juste réunis autour d'une machine à coudre, quoi. Bah, c'est juste trop cool, quoi. Donc voilà, ça m'a fait énormément de bien sur ce plan-là. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer Amélie et Nico en vrai. Je les avais déjà vus une fois, mais vraiment rapidement au CSF. Je crois que c'était il y a. Je sais plus s'il y a 2 ou 3 ans, mais bon, voilà, au CSF, c'est coucou. Et puis, on reste pas très longtemps. C'est pas trop le lieu pour se poser et échanger vraiment. Et je savais que c'était des belles personnes, puisque leurs valeurs, ils les transmettent au travers de leur marque Maëlie. Mais le fait de les avoir rencontrés en vrai, d'avoir passé du temps avec eux, ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, et c'est ce que je disais au tout début de la vidéo, c'est vraiment des belles personnes. Genre, je sais pas comment le dire autrement, mais Amélie, elle a juste envie de partager, de transmettre, de rendre les gens heureux. Bon, c'est vraiment comme ça que je la vois. Et voilà, et c'était trop cool. Et enfin, voilà, ce genre de projet, c'est juste incroyable ce qu'elle a. Ce qu'elle a créé entre ça, entre la marque Miley, tout ce qu'elle fait au quotidien, voilà. Juste, c'était trop cool. Et ça fait trop du bien juste d'être avec des belles personnes et de passer des bons moments. Enfin, c'est juste trop chouette. Donc voilà, tout ça pour dire que bah, c'était trop cool. Vraiment, encore une fois, c'était vraiment trop trop bien. J'ai pas fait le meilleur vlog du monde parce que j'ai vraiment oublié de filmer à de nombreuses reprises. Mais c'est parce que c'était vraiment trop cool à chaque fois et que j'avais pas la tête à ça. Donc voilà, c'est un exercice que j'ai encore du mal à faire le vlog parce que bah, je filme pas tout le temps. Donc c'est un peu dur de vous transmettre bah, ce qui s'est passé juste en vous expliquant et sans images. Mais voilà, je tenais quand même à faire, à publier cette vidéo parce que je me dis qu'il y a quand même pas mal d'images chouettes. Et que ça doit être partagé parce que c'était vraiment trop bien. Voilà, que dire de plus? Bah, je crois que j'ai fait le tour. Je suis vraiment trop contente d'avoir passé cette semaine, d'avoir pu participer à ces ateliers, à cette semaine. Ça m'a vraiment reboosté, ça m'a vraiment rechargé les batteries. C'était juste trop bien. Enfin, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, et merci Amélie pour tout ce que tu fais. Merci de m'avoir invitée. Merci d'organiser tout ça et c'était trop cool et j'ai juste hâte de suivre la prochaine édition et voilà qu'est-ce qu'on attend pour faire ça dans toute la France? C'est la question que je me pose.
Voilà, j'espère que la vidéo, en tout cas, vous aura plu, vous aura permis de vous plonger un petit peu quand même dans la semaine, d'avoir une idée de tout ce qu'on a fait. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.